j'ai toujours eu envie de crier « Bonsoir, l'ONEM !» La librairie Un Point Un Trait est heureuse de vous offrir cette soirée. Tu veux pas que je lise directement le papier? Il est dépressif, mais je le soigne. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui? Racontez-moi votre histoire. Je t'ai devant tous les ministres. Ils m'ont dit, monsieur le président, quel est votre programme? Je n'ai pas su quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. J'arrive pas. Regardez, c'est nul. Ça fait 5 ans que c'est nul. Ouais, je pêche, j'attends. Rien ne se passe. Et tout à coup, grosse surprise, une belle étoile surgit au bout de ma ligne. Que vais-je en faire? Bah, la pêche, on dit sa mort. J'en sais rien, c'est la première fois que je pêche. Je me suis dit que j'allais faire un truc délirant avec toi, un truc père-fils, tu vois, un truc un peu original, quelque chose que ta mère ne fait pas. Et la seule chose que je suis sûr que ta mère ne fasse pas, c'est pêcher. Elle me le dit à chaque fois qu'elle rentre de l'église. Elle travaille la semaine. Oh oui, elle, tiens-moi ça une seconde. Travaille. Hé, hey, c'est vachement bien ce que t'as fait là, c'était un geste qui montrait la confiance que t'avais en moi, tu vois. On progresse pas, on progresse. Tu veux tenir la canne à pêche, fils? Je peux. Tu sais, cette canne à pêche, elle représente quasiment rien pour moi, je viens de l'acheter, tiens. Ah ouais, ça marche aussi avec une main. Merde! Ça a mordu! Eh ben il s'est barré avec! Est-ce que vous croyez que le couturier va s'en rendre compte? Mais évidemment qu'il va s'en rendre compte, vous suintez! Vous suintez sur le corset! Enfin, mais Yves Saint va jamais... Yves Saint va jamais s'en remettre! Oh là là! Ça peut être toi ou n'importe qui, finalement, tu es ici! Oui, c'est moi! Et toi, c'est toi? Pas à présent! Oh, nous sommes nous! C'est hyper romantique! Oui, la nuit, tous les chats sont gris. Je me suis réveillé en plein milieu de la nuit. Il était 3h du mat. Pour moi, c'est ce que disait le réveil. Je me suis dit, Roger, maintenant que t'es réveillé, autant te lever. Vérifier ce proverbe que tu connais depuis que tu es né. Oh yeah. Je suis donc sorti dans la nuit pour vérifier ce qu'on m'avait dit. Est-ce que la nuit tous les chats sont gris? Oh oui, je voulais vérifier. Je voulais checker si on s'était moqué, ouais. Alors j'ai marché jusqu'à rencontrer un petit matou, un petit minou, un petit chaton. Et voilà, je suis à court de synonymes. Je regarde le chat, je m'approche du chat, et la déception n'était pas gris, n'était marron.